Et coucou. Alors, la dernière fois que je vous ai eu, vous m'avez vu, entendu. Bref, on a fait ensemble cette petite carte et je vous ai présenté. Oui, c'est celle-là qu'on a fait. Ah, je sais même plus. Oui, je crois. Enfin bon, bref, peu importe. Et je vous ai présenté donc les deux autres qui allaient avec. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire. Alors, non pas, je vous avais parlé de refaire des séries de cartes, éventuellement des séries d'ATC. Mais là, donc j'ai pensé faire des ATC, donc une série d'ATC, mais ça sera une série de 3 ATC pour aller avec chacune des cartes, tout simplement. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa vu que c'est la plupart des cartes que je vais faire avec vous, ben, je vais les envoyer. Je me suis dit que ça pouvait être cool de mettre une petite ATC avec. Voilà, et celle que je pense garder pour mes proches, tout ça. Pas besoin d'ATC, donc je ne ferai pas d'ATC pour celle-ci. Mais en tout cas, ces 3-là, eh ben, j'avais envie de faire des ATC. Du coup, j'ai préparé mes petits éléments. Donc, ça va être une vidéo méga rapide. Clairement, j'aurais pu ne pas la faire avec vous et juste vous les présenter. Mais j'avais envie d'en faire au moins une. Donc, bah voilà, je me suis dit, allez, go. Je charge juste ma colle qui a disparu. Non, elle est juste là. Donc, pour ça, un fond, une base verte, comme pour mes cartes. Un fond blanc. Que j'ai passé dans ma plaque d'embossage, la même que pour mes cartes, si vous avez suivi, voilà, avec les petits flocons, voilà, là on les voit bien, tout simplement avec un léger, pardon, matage, et voilà ce que ça donne. Clairement, ça va être méga rapide parce que je vais prendre exactement les mêmes éléments. Donc là, on a notre petit feuillage. Là, on a notre petit personnage. Donc là, ce sera le petit lutin. J'ai déjà préparé les deux autres, bien sûr. Et il va nous manquer le petit sentiment. Petit sentiment, là, je ne vais pas pouvoir me permettre de mettre Joyeux Noël, Bonne Année. Je vais juste mettre le Bonne Année. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout? Non, il nous manquera la demi-perle. Mais clairement, c'est tout. On va pas mettre grand-chose dessus. Donc là, je vais venir mettre un peu de. Non, je vais m'en occuper après. Voilà, je vais aller vite là parce que j'ai juste 5 minutes. J'ai pas beaucoup de temps pour le faire, donc je veux me dépêcher, mais on va se calmer un petit peu, Marie. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que je ne mettrai pas comme ça? Est-ce que le bon ami il calerait là? Ouais, ça va être un petit peu juste. Si je le mets sur le côté. Voyez, 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 voyez. J'ai beau réfléchir en amont à chaque fois, je me souviens pas de ce que je voulais faire et je galère. Alors si je le mets un peu plus haut, on pourrait peut-être le mettre en dessous. Ouais, c'est pas mal. Alors je sais pas si vous vous apercevez, mais là il y a une petite branche en dessous là et on la voit mal celle-ci. Donc celle-ci, j'ai décidé sur mes autres ATC comme sur celle-ci de la découper. Pam. Oula. Et de venir la coller, et celle-ci, elle va me servir pour mettre à un autre endroit où ben, il y a un peu trop de blanc à mon goût. Voilà. Comme ça, elle n'est pas cachée. En tout cas, oui, elle est plus visible que si elle était collée sous le personnage. Et puis, ça fait. Ça remplit un petit peu plus la TC, quoi. C'est plus sympa. Voilà. J'ai fait déborder ma colle un peu partout. Alors, mon petit sentiment, j'ai dit que je voulais le mettre en bas, donc je vais le mettre directement, hop, comme ceci en bas, en plein milieu, bam. Lui, du coup, on va le mettre ici. Vous voyez, on va lui mettre les pieds en plein milieu là. Ce sera parfait. Et donc, mon petit bout qui reste là, je vais couper le petit bout qui gêne. Hop, et ben, on va venir le mettre par ici. Voilà, tout simplement. Ouais, ça sera vraiment une vidéo bonus de quoi 5 minutes à peine. Hop. Mais voilà, c'était question d'en faire une avec vous et de vous présenter les deux autres. Vite fait, bien fait. Je cherche ma mousse 3D en rouleau. Bah oui. Comme de par hasard, elle n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mise? Bah si, elle est juste à côté de moi. C'est pas vrai, hein, je vous jure. Ah puis alors cet éclairage, ça me. Rester poli, mais ça me saoule. Alors, comment je vais faire ça, moi? Hop, comme ça, on va essayer. On va mettre un petit peu de colle. Ah, c'est trop gros. On va couper un petit bout. Hop. Là.
Ok, et un plus gros pour mettre au-dessus. Hop là. Alors là, j'ai pas pris les mousses rondes parce que bah, j'en ai pas énormément. J'ai pas envie de les gâcher, entre guillemets. Bon, c'est pas les gâcher, mais ça peut servir pour des choses plus petites. Alors que là, je peux facilement mettre de la mousse comme ça. Mais avec cette mousse-là de chez Action, je mets toujours un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien dans le temps. Voilà. Et je remets un petit peu de colle ici. Vous avez rien vu du tout de ce que j'ai fait, c'est pas grave. Hop, je viens positionner mon petit perso. Je viens chercher mes petites demi-perles comme pour la carte. J'en prends qu'une. Et désolé, je vous ai encore fait bouger. J'en prends qu'une. Hop. Et ici. Et on va la positionner par là. Voilà. Et ma petite ATC est terminée. Voilà. Vous voyez, pas sorcier. Petite ATC pour aller avec la petite carte. Alors, ça sera pas forcément cet ATC qui ira avec cet ATC-là. Je pense que je vais faire un petit mélange. Ça peut être sympa, par exemple, l'ATC-là avec celle-ci. Je vous présente les autres en même temps. Donc, ici, on a cette petite ATC-ci, éventuellement, qui ira avec celle-là. Et cette petite-là, qui ira avec celle-là. Voilà. Ça peut être sympa. Bon, après, je dis ça. Après, ça sera peut-être mélangé autrement. Mais bon, question de dire que ce sera pas forcément ce personnage... les mêmes personnages ensemble, quoi. Bref, vous avez compris. Donc voilà ma petite série d'ATC qui va aller avec la petite série de cartes. Voilà, c'est pas, j'ai pas fait une grosse série de 6 ou 9 ou plus. J'avais vraiment juste envie d'en faire avec pour aller avec les cartes, tout simplement. Voilà, voilà. C'est tout. Je vous abandonne. J'espère que ces 5-6 petites minutes en ma compagnie vous auront plu. J'ai pas fait grand chose d'exceptionnel. Je vous ai juste fait une carte en format réduit. Et puis voilà. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Salut.